Notre interprétation des événements de la vie dépend souvent de l'ambiance. Par exemple, un simple extrait de chanson peut modifier notre attitude. Voyons, qu'est-ce que c'est ça, matin? Hey, il m'en va faire réparer le galipeur de charge chez le concessionnaire. Il dit galipeur, c'est pas garanti. Moi, il m'avait dit que t'as garanti le galipeur. Puis il garantit pas le galipeur. Il m'avait dit qu'il garantissait le galipeur. Qu'est-ce que c'est ça, un galipeur? Je sais pas, mais il va le garantir en maudit. J'appelle le boss, moi, là. Hey! Hey, calme-toi, toi, là. Ils m'auront pas ces morons-là, moi. Qu'est-ce que t'as dit? Ils m'auront pas ces morons-là, moi. Ça veut dire quoi, ça, papa, les maudits ramollons? C'est ça que j'ai dit ramaudit mon mot, les papons. Hein? Hey, laisse-nous faire, toi, là. Autoservice? Le patron, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Hey, tu vas voir que ça va brasser en maudit. Je suis pas gêné, moi. On l'a montré, moi, ça va pas long, quoi. On déjeunera chez Green Bay. Oui, casser la gueule, s'il faut. Et on lavera nos enjolivres. T'as le dit, moi, je suis prêt à y aller, moi. Je te fabriquerai, ma belle. Une boîte à masculter d'une bouteille d'eau de Javel. Hey, ils me font pas peur, moi. Nous vivrons heureux. Et voilà notre vie à deux. Allô? Oui, je peux vous aider? Qu'est-ce que je voulais, là? Ah oui, je suis allé dans votre garage pour faire arranger mon galipeur, moi, là. Oui? Puis le garagiste, il m'a dit que c'était pas garanti, ça. Ah, s'il l'a dit. Mais c'est pas supposé être garanti, ça? Non. C'est quoi, c'est un galipeur? Je le sais pas, mais c'est pas garanti. Ben, merci, hein. M'excuse d'avoir dérangé, là. Bye! Victorieux! Qu'est-ce qu'il y a? Hey, toi, t'es agressif! Hey, qui c'est qui chante ça? Tu sais, la toune, là? On déjeunera chez Greenbird, la 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 yal la yal. Hey. Tu sais, là? Connais pas ça, ouais. Colin, je vais rappeler, je pense. Mais si un extrait de chanson peut modifier notre attitude, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Les éditions Croteau, bonjour. Bonjour, mademoiselle, mes respects. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. À la bonne heure. Vous m'envoyez ravi. C'est merveilleux. C'est fantastique. Il fait 10 degrés. Bien sûr. Auriez-vous l'amabilité, s'il vous plaît, si cela ne vous dérange pas trop, bien sûr, de me mettre en communication avec Monsieur Croteau? Mais ce sera un plaisir. Wow. Vous êtes charmante. Merci. Bonne journée. Vous aussi, ce ne sera pas long. D'accord. J'ai du sang qui coule partout, la 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 la. J'ai trois chauves-souris d'un coup, la 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 la. J'ai un serpent dans mes bobettes, la 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 la. Y'a des rats dans ma toilette, la 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 la. La politique, c'est de la merde, la 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 la. À la moutarde, la 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 la. Oui, allô? Croteau, c'est... Ah, c'est ce cher Gontran. Ça t'a bien pris du temps à répondre, maudit cornet. Comment allez-vous, mon cher? Qu'est-ce que tu dirais de ça, toi, une tape sur la gueule?